Nous ne sommes pas favorables à la course à la mondialisation. Et là, je vais me rapprocher de Mme Bélier. C'est bien évident que lorsqu'on est patriote et qu'on est attaché à sa terre, on est là pour défendre un héritage. Et cet héritage, eh bien, il peut être à la fois sur la qualité des sols, mais aussi sur le patrimoine alimentaire, sur les spécificités des régions. Et la course, effectivement, à la production et à la rentabilité, à mon avis, est une fausse route parce qu'on ne sera jamais aussi performant que d'autres pays qui ont un moindre coût de manœuvre. Bien évident qu'il y a des pistes à suivre sur les circuits courts, sur la production bio pour ceux qui le souhaitent. Et je pense que la région doit apporter une réponse qui sera adaptée au choix des agriculteurs. Voilà. Les agriculteurs. On veut faire quoi? Leur agrandir encore les surfaces à exploiter, leur donner plus de travail. Ils sont débordés aussi par l'administratif au niveau des normes, des comptes rendus qu'ils ont à faire. Donc ces gens-là, on ne peut pas leur demander de faire plus en termes de travail. C'est pas possible. Avec le double de surface d'il y a 10-15 ans, ils ne perçoivent pas de revenus supplémentaires et ils travaillent beaucoup plus. Donc là-dessus, il est évident qu'il faut revenir à une agriculture raisonnée. Là-dessus, on peut proposer directement, en fonction des attentes de chaque agriculteur, des aides qui peuvent les aider effectivement à développer leur activité. Les producteurs de lait sont dans une situation catastrophique aussi, puisqu'on attend encore une baisse du prix du lait, puisqu'on est parmi encore les plus chers au niveau européen. Hein, je rappelle que tous les pays du nord de l'Europe sont déjà à moins de 300 euros les 1000 litres de lait, et nous on est encore à 327 euros. Donc on voit bien que cette compétition, on ne peut pas gagner là-dessus. Donc il faut que nous, au niveau de la région, on puisse proposer des solutions de revenus pour les agriculteurs, de développement qui correspondent à leurs besoins. Et bien sûr, il faut privilégier ces circuits courts. Il est bien évident qu'au niveau de la région, on doit faire en sorte que la consommation dans les lycées, dans les administrations, dans les collectivités territoriales prenne en compte les produits régionaux. Quitte à ce que ce soit un peu plus cher, c'est le cas parfois. Bien sûr, il faut qu'il soit, il faut qu'il y ait un revenu qui soit quand même adapté à la production, enfin, au coût. Il faut savoir quand même 70% de la viande qui est consommée chez nous actuellement vient de l'étranger quand même. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est insupportable. Oui, réaction rapide. J'aimerais me revenir sur l'exemple qu'a donné M. Mongin concernant le champagne. C'est vraiment le contre-exemple. Pourquoi le champagne fonctionne? Parce que les surfaces sont limitées, parce que c'est un produit de qualité, parce que c'est le terroir français, et c'est ça qui s'exporte. C'est pas parce qu'ils sont hyper compétitifs par rapport aux Allemands ou au champagne américain. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est vraiment sur l'excellence française, l'excellence de l'agriculture et l'excellence des produits. Je ne pense pas qu'en essayant de faire des fermes industrielles, on va rentrer dans le marché mondial et gagner ce marché mondial.